la parole comme chaque jour après 13h30 de Nice. Les autorités sanitaires en alerte. Un cas d'infection respiratoire très grave vient d'être diagnostiqué en France. Le virus est un cousin du SARS qui avait provoqué une psychose mondiale il y a quelques années. La personne infectée revient des Émirats Arabes Unis, un pays où la maladie est très présente habituellement. La précision d'un avis sur il a parlé de l'incontournable amitié franco-allemande aujourd'hui en Europe. Al-Qaïda au Maghreb islamique menace la France, le pays et ses intérêts à travers le monde sont-ils en danger? Nous poserons la question à 12h50 au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Il sera l'invité d'RTL Midi. De plus en plus de trains ont du retard. Un site internet dresse le bilan du manque de pour l'entreprise ferroviaire. Alex Ferguson cessera d'entraîner le club de foot de Manchester United à la fin de la saison, une équipe qu'il a dirigée pendant 26 ans. Début du viaduc du 8 mai et de l'ascension, journée au... Hier soir, j'arrive sur tournage, faudra qu'on parle tous les deux. Greg, on veut pas, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé hier, je te jure, c'est un malentendu. C'est bon le chant, Tristan? Parfait. Ok. S'il vous plaît, je pourrais avoir un verre d'eau? Silence plateau. Moteur demandé. Ça tourne. L'homme sans visage, 1 sur 7, prise 1. Action. Intense emotions overflowing.